prenez les décisions courageuses. Il faut prendre des décisions courageuses. Le Rwanda n'est pas un supersonique. Si aujourd'hui la Russie a des difficultés à arriver en Ukraine, parce que l'Ukraine a osé. Est-ce que nous parlons de... Renversons maintenant la situation. Nous sommes capables de marcher sur le Rwanda, tant sur le plan démographique, tant sur le plan continental, tant sur le plan de moyens. Sur le plan théorique, oui, mais du concret, ce n'est pas le cas. Mais justement, nous donnons l'impression, nous, Congo, d'être beaucoup trop parlé et de ne rien faire. Parce que vous êtes censé dire que le chef de l'État, l'autre fois, il avait promis, à moins d'Escamouche, vous vous en souvenez, il avait dit qu'on peut beau taquer. On peut beau attaquer plutôt Kigali à partir du Congo ici. Mais il y a eu plusieurs bévues, il y a eu plusieurs massacres. Kinshasa ne réagit toujours pas. Je suis d'accord avec vous. Libre choix à vous. Mais vous croyez, vous savez, même si le chef de l'État l'a dit, mais il y a des préalables qu'il faut remplir. Mais non, il y a, aujourd'hui... Quand il avait dit ça, est-ce qu'il n'avait pas tenu compte de préalables dont vous faites allusion? Ne vous en faites pas. Je crois qu'il n'est pas amorphe que vous voulez le croire. Et l'action qu'il est en train de mener, peut-être que après, nous allons comprendre cela à un moment donné. Mais si nous devons accompagner l'esprit Antoine Félix Tshisekedi, je crois que chacun de nous, là où nous sommes, nous devons prendre une décision responsable. Moi, je n'attends pas à attaquer le Rwanda seulement avec l'armée. Où sont les services de sécurité? Quels sont les rapports qu'ils effectuent? Là où nous devons faire un effort, c'est dire la vérité. Tolobaka Bosolo. Si nous disons la vérité à la population va nous comprendre et va nous accompagner. Et moi, j'ai la simple conviction, les Congolais ne sont pas compliqués. Les Congolais, il faut lui dire la vérité. Je fais ceci, Limbisanga. Pourquoi on n'arrive pas là? Pour l'opposition qui pense que les problèmes, à nos jours, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Je félicite Martin Fayoulou. Si Nanga veut rester en vie encore pendant 2 jours, qu'il arrête cette affaire. Bon mercredi à vous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Naïs Fraisse. Un seul invité est sur ce plateau pour le camp de l'Union Sacrée. Il représente l'Union Sacrée, il est le nôtre. Il s'agit de Wilson Monzemba avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité, rapport bien évidemment avec la nation, avec le pays. Vous le savez, hier, il y a eu forum au niveau de Genève, hein, rapport avec le droit de l'homme où la RDC fait partie, comme de pays membres, bien sûr, par rapport à cette commission, encore ce bureau. Eh bien, il y a eu des reproches. On nous taxe de le fait de lever ce moratoire des peines de mort. Il n'y avait pas lieu. Il y a eu des remarques. En tout cas, nous allons peut-être épingler ou encore émettre un point de vue par rapport à ça. Nous parlerons également des mécanismes de vérification de l'accord de Luanda. C'était hier. Il y a eu échange entre les 3 ministres des Affaires étrangères, le ministre congolais, le ministre rwandais et la médiation, comme toujours, avec le ministre angolais, pour évaluer, pour voir comment est-ce l'accord de Luanda peut être mis en application. Mais cependant, on va vous dire que du côté M23, du côté Rwanda, il y a toujours des violations en violation. Ils continuent à récupérer quelques localités, quelques territoires, alors que nous, Congolais, nous fardés, nous continuons à observer les cessez-le-feu comme c'était convenu. Donc nous allons vous en dire plus. C'est déjà aujourd'hui qu'il y aura lancement de l'état généraux de la justice, hein, où le ministre Mutamba va lancer l'IGO et ça prendra quelques jours. C'est au niveau du centre financier et nous allons également vous éclairer. Nous parlons également de cette question qui continue à faire couler en craie salive, ses rapports avec le changement ou la modification de la constitution. Changement, révision, eh bien, ça dépend de tout et chacun, mais du moins, le chef de l'État avait lancé déjà les go, tout en disant que l'année prochaine, il mettra en place une commission pour rédiger une nouvelle constitution. On suppose qu'il fait allusion au changement, mais est-ce c'est correct? Est-ce que le moment est bien choisi? Est-ce l'opportunité y est? Toutes ces questions trouveront satisfaction aujourd'hui par l'entremise de M. Wilson, à qui j'ai dit bonjour et bon mercredi à vous. Bonjour Guélor, bonjour tous les fidèles téléspectateurs de RTVS1. Et écoutez, par rapport à leur émission Nice Press, c'est vrai que ça fait un bout de temps, on n'a pas eu le rendez-vous de... Là, vous êtes tout le temps empêché, ça c'est tout le temps empêché, trop d'occupations, mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui qu'on puisse partager ensemble avec vous. Je crois que
C'est très édifiant d'abord par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Les Congolais, je vous demanderai de nous suivre parce que nous aurons à éliminer quelques incompréhensions ou les incompatibilités que nous trouvons quelquefois dans l'opinion. Et peut-être que nous allons échanger aussi dans la profondeur de la science, dans le sens où d'aider et les gouvernants et les gouverneurs à comprendre les temps et les circonstances qui y est en train de découler dans notre pays. Alors, avant de prendre la question en rapport avec les changements ou la révision de la Constitution, je souhaiterais qu'on aborde la question de ce qui s'est passé hier à Luanda. Mécanisme de vérification de l'accord de Luanda, il y a eu mise en place de cette commission ad hoc pour faire le suivi, n'est-ce pas? Mais vous êtes sans ignorer que nous, FARDC, nous, Congo, nous continuons à observer les cessez-le-feu. Donc, en clair, nous respectons la norme ou encore l'accord, ce qui n'est pas le cas dans le chef du Rwanda et M23, qui jusqu'ici continue à gagner quelques territoires pendant que nous observons, comme j'ai dit un peu, le cessez-le-feu. Ne veut pas que ça donne l'impression comme si on est en train de nous endormir davantage et que l'ennemi avance et nous on est là sans défense, sans réplique, sans attaque, et du coup on ne comprend plus rien. C'est le plus grand regret que je suis en train de présenter aujourd'hui en présence du chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui est mon président, que j'aime beaucoup, et qui s'est donné de tout parce qu'il tient au retour de la paix. Mais ce qui est évident, le Rwanda joue au sale jeu. Je me pose la question, les autorités congolaises, quelle est la vraie vérité qu'ils ne savent pas dire à la population? Quelle est la vraie vérité qu'on cache sur la situation du Rwanda? Quelle est la vraie vérité qu'on cache sur la guerre de l'Est? C'est incompréhensible. Tous, nous avions dénoncé, il y a la complicité internationale en République démocratique du Congo. Je suis d'accord avec vous. Mais alors, passons à l'acte. Qu'est-ce qui empêche le Congo de prendre son destin en main? Moi, je me pose cette question-là. Kabila n'a fait pendant 20, il a régné pendant 18 ans. Et là, nous sommes déjà dans nos 7 ans. Nous continuons dans la même situation. Au moment où il gagne du terrain, et nous sommes dans les statu quo. Nous observons quoi exactement? Est-ce que nous sommes formalisés? Est-ce que nous sommes abattus? Est-ce que nous sommes réduits à notre juste valeur? Je me pose cette question-là. Par là, je me dis, est-ce qu'on ne comprend pas que ce sont les Congolais qui sont tués? Ce sont les minerais du Congo qui sont exploités. Ce sont les peuples qui sont en déplacement. Et l'éclosion en matière de développement ne pouvait pas suivre parce que la situation n'est pas bonne sur le terrain. Comment expliquer? Au moment où nous nous observons, soi-disant le cessez-le-feu, mais il n'y a pas de dispositions contraignantes pour dire que au cas où il y a un coup de feu, voilà la sanction ou les sanctions qui vont s'en suivre. Il n'y en a pas. Mais nous continuons à observer. Au moment où ils gagnent du terrain, ils avancent, ils disent voilà, c'est ce qu'ils disent, ils n'est pas capable de nous gérer. Non, c'est archi faux. Or, et ils ont des intérêts qui sont égoïstes, au moment où ils sont en train de défendre encore le peuple congolais pour chercher des routes, pour chercher quoi manger pour les Congolais, pour chercher la stabilité des Congolais, mais ils en profitent sur cette faiblesse-là. Alors, j'interpelle chacun de nous, en commençant par la population. Ils doivent dénoncer. Pour être accompagné par nos services, je félicite nos vaillants militaires, ils font un bon travail sur le terrain. Mais il faut qu'ils soient appuyés. Et lorsqu'ils ne sont pas appuyés, ils doivent lâcher. Appuyés par qui, d'après vous? Les militaires doivent être appuyés par les politiques. Ok. J'ai suivi ce matin. Et vous pensez que cet accompagnement n'existe presque pas? Non, l'accompagnement, il y a un écart. Je prends l'écart. Les chefs de l'État étaient de négocier, ils avancent à grands pas. Mais ceux qui sont derrière lui n'avancent pas ensemble avec lui. On ne l'accompagne pas. C'est là où je demande que je ne sais pas. Quelle est la méthodologie dont on travaille au sein du gouvernement pour que les choses aillent de mieux en mieux? Nous avions quand même une armée. Heureusement, nous n'avions pas que deux femmes dans l'armée. Heureusement, vous êtes union sacrée. Et regarde ce qui se passe. Parce que vous avez déploré, vous condamnez. En tant que Congolais, c'est tout à fait logique et normal. Mais que peut-on nous dire de la situation? On a beau dénoncer, on a beau exposer Luanda à la face du monde, que c'est Luanda qui serait, ou encore Luanda qui est même derrière le M23, mais la réalité sur le terrain,
comme vous avez dit tantôt, Kinshasa n'arrive pas toujours à répliquer. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'une complicité, naïveté, lâcheté, ou bien on n'est pas en mesure de se sécuriser? Ça peut se sentir tous ces cortèges que vous venez de citer tout à l'heure là. Mais ce qui est évident, nous savons que de la part de la réorganisation de l'armée, au sein de l'armée, il y a un problème. Et ce problème-là, on l'a déjà déniché. Mm-hmm. Mais pourquoi pas trouver des solutions? Il faut oser. Mais c'est le président de la République. Il faut et oser. Et à ce niveau, à qui revient la responsabilité ou encore la faute? La question va revenir toujours au chef de l'État. Même si nous avons la politique pour dire que non, écoutez, il y a un premier ministre qui gère. Mais la question va revenir que seulement Félix Tshisekedi. Qui rendra les comptes au peuple congolais en 2028? Il n'y a pas une autre personne. Madame Soumino peut partir demain. Moi, je peux venir comme premier ministre. Pourquoi pas Gaëlle Kiyé? Mais alors, le Congo va rester. L'unique personne qui va justifier son bilan, c'est le chef de l'État. Prenez les décisions courageuses. Il faut prendre des décisions courageuses. Le Rwanda n'est pas un supersonique. Si aujourd'hui, la Russie a des difficultés à arriver en Ukraine, parce que l'Ukraine a osé. Est-ce que nous parlons de... Renversons maintenant la situation. Nous sommes capables de marcher sur le Rwanda. Tant sur le plan démographique, tant sur le plan continental, tant sur le plan de moyens. Sur le plan théorique, oui, mais du concret, ce n'est pas le cas. Mais justement, nous donnons l'impression, nous, Congo, d'être beaucoup trop parlé et de ne rien faire. Parce que vous êtes censé dire que le chef de l'État, l'autre fois, il avait promis, à moins d'Escamouche, vous vous en souvenez, il avait dit qu'on peut attaquer plutôt Kigali à partir du Congo ici. Mais il y a eu plusieurs bévues, il y a eu plusieurs massacres. Kinshasa ne réagit toujours pas. Je suis d'accord avec vous. Libre choix à vous. Mais vous croyez, vous savez, même si le chef de l'État l'a dit, mais il y a des préalables qu'il faut remplir. Mais non, aujourd'hui, quand il avait dit ça, est-ce qu'il n'avait pas tenu compte de préalables? Ne vous en faites pas. Je crois qu'il n'est pas amorphe que vous voulez le croire. Et l'action qu'il est en train de mener, peut-être que après, nous allons comprendre cela à un moment donné. Mais si nous devons accompagner l'esprit Antoine Félix Tshisekedi, je crois que chacun de nous, là où nous sommes, nous devons prendre une décision responsable. Moi, je n'attends pas à attaquer le Rwanda seulement avec l'armée. Où sont les services de sécurité? Quels sont les rapports qu'ils effectuent? Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec même les paisibles citoyens? Et pour l'opposition, c'est ça le vrai problème. Pour l'opposition qui pense que les problèmes, à nos jours, c'est Félix Tshisekedi lui-même. D'où il faut l'enlever? Qu'est-ce que vous en dites? Mais attendez, c'est un discours que vous avez déjà vécu ici, non? Avec l'opposition congolaise. C'est sans idéal. Qu'est-ce que l'opposition a déjà fait? Même dispenser la pomme à la tête. Non, ne vous en faites pas. Parlons Congo. Attendez. Qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes plutôt que de mauvais chefs. S'il vous plaît, en temps normal, il y a l'exception. Je peux soulever l'exception par rapport à ça. Mais le vrai problème du Congo, c'est le problème de nous-mêmes d'abord. Moi et toi, il y a un problème. Nous avons un problème. Comment est-ce que moi et toi, nous vivons ici à Kinshasa? Mais nous envoyons nos frères aller au front pour s'entretuer. C'est ce qui se passe. C'est ça la réalité. Le Rwanda vient qu'en appui. Nanga n'est pas Rwandais. Nanga n'est pas Rwandais. Qu'est-ce qui a demandé la main des Rwandais? Ce n'est pas Nanga. Diongo n'est pas Rwandais. Parmi ces gens-là, ils ont des familles. Parmi ces familles-là, ils ont des amis. C'est tout un nid. Alors, dans cette toile-là, il y a tout un système, tout un réseau qui s'est créé. Le vrai problème que nous devons prendre une décision responsable. Je t'ai dit, le Rwanda nous veut marcher par rapport au Rwanda. Une décision responsable, vous faites allusion à quoi précisément? Je prends le premier point. La population doit collaborer étroitement avec les services de sécurité. Parce qu'ils ne sont pas des petits dieux. Il n'y a que la population qui trouve les rebelles dans les champs. Mais les militaires ne les trouvent pas. Il faut mettre des drones. Parce qu'ils sont en tenue. Mais la population qui va dans des champs, c'est elle qui amène l'information. Ils doivent communiquer, premièrement. Deuxième élément, les pouvoirs. Ceux qui ont le pouvoir à main. Ceux qui ont la possibilité de prendre une décision. Ils doivent prendre une décision courageuse. Il y a d'autres choses dans la vie. Et alors, je vous dirai, si vous n'avez pas osé, et vous n'allez pas y arriver, nous devons oser. Nous devons oser avec tout ce qui se passe. La mondialisation. Avec tout ce qui se passe, le développement, à un moment donné, nous allons nous retrouver avec comme des sous-statuts, sous-esclaves. À un moment donné, vous savez que le Congo était dirigé par l'ONU, ici, pendant que Kabila était là. Nous étions sous-statuts.
Alors, nous tendons à revenir sur la même situation. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si nous ne mettons pas garde à cela, c'est maintenant ou jamais. Je me pose la question. Je prends les cas. Il y a une histoire qu'on parle de nouvelle citoyenneté ici. Ouais. Ça existe encore? Ah, on entend parler parfois. Dites-moi, dans leur programme, est-ce qu'ils ont déjà dit à nos enfants, à l'école primaire, qu'il est grand temps de choisir, même pour les mariages, de, pas marier, de se marier avec les Rwandais? Ce n'est pas la xénophobie? Est-ce qu'on dit déjà à nos enfants, qui sont encore au bas âge? Mais le discours dont vous propagez là, ce n'est pas le même que détient ou encore, ce n'est pas le même que propose ou encore dit le chef de l'État. Je suis libre. Lui, il dit par contre que le problème, ce n'est pas le peuple rwandais, mais plutôt le régime Kagame. Je vous dis... Mais sinon, je voulais poser une question, très franchement. J'ai suivi religieusement votre intervention par rapport à ces sujets, votre regret à la manière dont la situation se présente, mais qui est le responsable? S'il faut condamner, indexer quelqu'un, on va voir qui. Alors la personne qu'on va condamner là, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de dire que ben, cette personne, elle n'a pas pu répondre aux besoins des Congolais que nous sommes par rapport à l'insécurité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Essayons d'abord une autre personne, mettez celui-ci, cette personne, mettons celle-ci de côté et on essaie avec une autre personne, d'après vous. Je sais là où vous voulez arriver. Vous posez la question au chef de l'État. Est-ce qu'il est capable ou il est compétent? En clair, c'est ça. Non, moi j'ai posé la question. Je dois aller dans les dos du cuillère. Au regard de tout ce qui se passe. Écoutez, je sais que tu es un journaliste d'investigation. Écoutez, il y a une fois, j'étais avec mon grand frère au téléphone, il reste à Paris, il me dit, mais écoutez mon frère, vous allez changer 1000 présidents chez vous là-bas. Aussi longtemps que vous ne quitterez pas la culture européenne transfigurée au Congo, il n'y aura rien de bon. Mon grand frère, Félix n'était pas présent. Kabila est venu encore, étant encore trop jeune avec ses bottes. Mon grand frère. Et pour quitter cette culture, attendez. Vous qui êtes union sacrée, ah, voilà. 6 ans au pouvoir déjà, vous vous êtes dit, commencé, eh ben, il faut changer la constitution. J'ai commencé par... Mais attendez. Mais la constitution n'est pas un monument. Vous avez déjà vu une constitution comme monument? Aux États-Unis, ils ont révisé ça combien de fois? En France, n'en parlons. Je vais y arriver. Je réponds d'abord par rapport à la question. Écoutez, le chef de l'État fait des efforts. Il déploie les efforts. Il est sur terrain lui-même. Il négocie avec lui-même. Il parle partout où on parle du Congo. Et quels sont les résultats d'après vous? Non, mais attendez. Oui. Kabila, le père. Non, nous parlons de la L'histoire nous renseigne. Okay, l'histoire nous renseigne. 17 jours de Kigali à Goma. Tu es d'accord avec moi? 17 jours. Mais jour pour jour, combien d'années aujourd'hui? Ils ne sont pas arrivés à Goma. Donc ce sont des efforts déployés. Et ça, nous ne pouvons pas ignorer la force de l'armée, la force de nos services de sécurité. Ça, coup de chapeau. Le vrai problème, c'est toi, les Congolais. C'est toi, Congolais. Tu collabores avec l'ennemi chez toi à la maison. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Quand Mbosola dit quitter les groupes armés, il a parlé à qui? À moi, Wilson Mounzeba? Le député qu'il connaissait, mais malheureusement, quand Mbosola dit, il a parlé ça à toi, Kieri? Ou à Mouzito? Non. Il a dit aux députés qui étaient là, vous, députés. Que Mbosso connaissait, mais hélas, il n'y a eu aucune action judiciaire. Non, mais attendez, le vrai problème, le nœud du problème est que la volonté politique. Qu'on lâche. Même le pape, le pauvre, il était déjà fatigué ici, mais il s'est dit, quittez les groupes armés, même le pape. Vous voulez que Dieu descende ici? C'est la mauvaise foi des Congolais lui-même, qui collabore avec... Mais Franck Diongo, nous étions avec lui ici paisiblement. À ce centre-là, Makila, soi-disant, ce gars qui peut boire à tomate dans mon ogona na yebi. Mais il y a d'autres choses dans la vie. À un moment donné, nous devons réfléchir deux fois. Vous n'allez pas écayer cela avec le problème de la Constitution. C'est archi faux. La Constitution, on peut les réviser, on peut les revisiter, on peut les modifier, on peut les changer. Nous sommes un État libre. La Constitution elle-même a déjà donné les mécanismes. La Constitution elle-même. De sa révision, oui. De sa révision. Mm-hmm. Où est le problème? Et là, vous envisagez... Et si... Vous envisagez un changement. Je te donne... On parle un changement. Si, on peut en parler. On peut en parler. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, j'ai déjà posé la question, oui. Quand la Constitution a atteint l'âge de 10 ans, nous étions à Caritas. Moi, j'étais là. Kamere, Bongeli. Je cite les noms, ils sont vivants. Hein. Ce petit Rwandais ici, Roubewa.
Ramugabo. Il serait rwandais. Nyarugabo, s'il vous plaît. Alors que l'autre fois, il était vice-premier ministre. Vice-président, ah voilà. Aussi, voilà là où nous sommes sous l'esclavagisme que nous ne comprenons pas. Et quand on dit nous sommes en interne déjà infiltrés, vous ne comprenez pas. Je vous cite les noms. Je reprends. Kamere, Wilson Munzemba, que je suis. Professeur Bongeli. Émile Bongeli, que je salue en passant, vieux Maël et Bélé. Un abbé qui est Mugarouche, je crois, il est déjà décédé, paix à son âme. Moïse Nyarugabo, c'est ça, Moïse. Hein? Moïse Nyarugabo. Nyarugabo. L'autre fois sénateur. Mm-hmm. Et puis Roubéroi et le professeur Lombéa, qui est mon parrain politique. Nous étions réunis à Caritas pendant 6 jours que nous avons tablé, c'est ça. Déjà dans les 10 ans, à cette époque-là, Kabila était encore président de la République. Nous avions déjà souhaité la modification de la Constitution. Mais lorsqu'on l'a fait ici avec Kabila, où était là l'opposition? L'opposition était dans la rue. Pour dire non. Et ne enfin, touchez pas. Et enfin, ne touchez pas à ma Constitution. Et enfin. Enfin, il y a eu référendum. Allez, je vais te lire. Je vais te lire quelque chose. Parce que nous devrons si édifier la pas, population. Ici, on ne parle pas forcément révision, mais vous envisagez un changement. Mais vous mon frère, avez dit, je cite, que la Constitution n'est pas bonne pour le pays. La Constitution a été rédigée par les étrangers. La Constitution vous bloque. Vous, le pouvoir de bien travailler, la Constitution vous met en mal pour faire développer la nation. C'est ce que vous avez dit. Roy Collard dit ceci. Les Constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Cette affirmation doctrinale a été concrétisée dans la Constitution de 1793. Première constitution sécessaire. Qui disposait qu'une génération ne peut assujettir à ces lois des générations futures. Mon frère, est-ce que réviser une constitution, c'est un péché? Non. Je reviens. Je me répète. Mais non! Vous ne parlez pas forcément de la révision. Vous envisagez un changement. C'est là où les bas blessent. Peu importe. Révision ou changement. Mais il y a aussi les interdits, non? Nous sommes sous l'état des sièges. Oui. Y a-t-il lieu de réviser ou de changer la Constitution pendant cette période? Déjà, l'actuel nous dit non. Oui. Deuxième des choses, en termes d'opportunités, au regard de ce qui se passe, à l'entame de l'émission, vous avez déploré ce qui se passe à l'Est, l'insécurité qui se vit dans la partie Est. Vu tout ça là, pensez-vous qu'il y a lieu de parler Constitution, il y a changement, révision? Par rapport à l'opportunité, il y en a. Ah bon? Oui, il y a opportunité. On peut avoir l'idée, oui? Oui. Relis avec moi l'article 57, relis l'article 217, relis d'autres articles qui sont là. Je ferme la parenthèse, mais je vais plus loin. La Constitution n'est pas faite pour l'éternité. Ce n'est pas moi. Ce sont des doctrinaires qui les disent. Moi, je suis un homme des droits. Parce que quand on change mais la Constitution, attendez, tu as peur de quoi? Également le... Aujourd'hui, par rapport... La République. Non, par rapport à la situation de l'Est. Il suffit que ce matin, fais ce qu'il dit, je lève... la mesure de l'état de l'état des sièges. Le problème n'est pas résolu. Bien. Deuxièmement, non, pourquoi vous voulez qu'on y arrive là? Avant, non. S'il plaît, avant d'aller à Malais-Demi. Non, je voulais poser une question par rapport si on vous a mis des questions dans la bouche, je vous réponds. Pas du tout. Moi, allez, mais attendez. Non, je discute pas. Pour éclairer la lanterne de celles qui nous suivent. Évidemment, moi aussi je vais éclairer. Avant de prendre la deuxième proposition, là où vous avez dit que tu as peur? Tout dépend, pas du tout. Voilà. Tout dépend du chef de l'État. Il peut prendre une mesure pour qui est la levée de l'état des sièges, ok. C'est mais parmi les conditionnalités. Absolument. Ouais. L'état des sièges a été instauré pour quelle finalité? Est-ce que les résultats sont là? Non. Donc, si tu me l'as dit, je suis choqué, estomaqué. Et je ne sais même pas quitter ce plateau. Aujourd'hui, ni t'étais l'état des sièges. Est-ce que toi, Gélo, tu allais savoir que Roubavo existe? Entre nous soit dit. Attendez. Okay. L'état des sièges nous a donné la lumière. Nous avons maintenant tout un tableau devant nous que nous pouvons agir avec. C'est là où j'ai dit il faut un peu de volonté et un peu de responsabilité. L'état des sièges nous a aidés à savoir voilà la criminalité économique que le Rwanda opère au Congo. L'état des sièges a fait monter même le Rwanda au créneau pour dire vous allez réviser la Constitution du Congo. Pourquoi? Mais enfin! Nous sommes
Nous sommes un État libre et démocratique. Nous sommes à la 84e prorogation de l'état de siège. Quand la mesure a été prise par le chef de l'État, il avait dit ceci, qu'on instaure l'état de siège pour pacifier l'Est, pour mettre hors du territoire les ennemis, le malfrat. Donc, les zones qui sont aujourd'hui occupées, hier ça nous appartenait, eh bien, il y a eu état de siège pour contrôler tout ça là, que la zone ou encore les deux provinces soient contrôlées militairement. Voilà pourquoi j'ai dit. La raison où on avait installé l'état de siège, pensez-vous que c'est un pari gagné? Parce que c'était pour la paix, mais jusqu'ici, c'est un pari gagné. C'est un pari gagné sur le plan à 60%. C'est un pari gagné à 60%. Vous croyez? Vous pensez vraiment qu'on peut faire la levée de l'état des sièges rien que pour changer la constitution et non pour pacifier l'Est? C'est là où je voulais en venir. Est-ce que, Gaylor, vous conviendrez avec moi qu'avant l'état des sièges, Bounia et Ben n'étaient pas reliés? Tu es d'accord avec moi? Tu ne pouvais pas faire le déplacement entre les trois provinces. À Nitouri, tu ne pouvais pas arriver. Ailleurs, tu ne pouvais pas arriver. Ça, à un moment donné, nous devrions être reconnaissants. Aujourd'hui, on construit Ituri. Aujourd'hui, on construit ailleurs. Béni et les autres. Mais on tuait à Béni par jour 485 personnes. C'est vrai, un Congolais de plus, ça peut nous choquer aussi. Mais 485 personnes, chaque jour. Aujourd'hui, dites-moi, est-ce que sur un tableau de statistiques, tu veux me présenter la situation qui se passe à Béni et Rubavu et les autres? Ah, il m'a donné le vol de reconnaissant. C'est vrai, on n'a pas pu parfaire par rapport à l'esprit Antoine Félix Tshisekedi, qu'il faut ramener la paix à tout prix. Évidemment, oui, je partage votre avis. Mais ce qui est évident, la reconnaissance, il faut reconnaître. Depuis qu'on a instauré l'état de siège, les Congolais ont découvert qu'est-ce qui se passe effectivement comme complicité, qu'est-ce qui se passe comme perte économique, qu'est-ce qui se passe comme frein sur le développement. Ça, les Congolais connaissent maintenant. Donc, alors, on peut obtenir la levée de l'état de siège pour changer la constitution. Non. Ce n'est pas un obstacle. Non. Ben, c'est ce que vous avez dit. Comme c'est parmi les conditions qu'on a mis, il faut qu'il n'y ait pas état de siège ou état d'urgence. Ce n'est pas seulement l'état de siège, même l'état d'urgence. Donc, si c'est parmi les conditions qu'il faut d'abord lever, mais c'est la même personne qui l'a fait. Donc, il peut le faire. Et à ce moment-là, vous savez la version que vous allez faire sortir, il a fait sauter l'état des siège parce qu'on a changé la constitution. Non, c'est faux. C'est là où j'ai dit, les doctrinaires nous disent bien, la constitution n'est pas faite pour l'éternité. Et la constitution ne peut pas assujettir aussi cette même population. Gelor Boni Boye, Ata Balabala Nayo, Kamuninga Yembala Mukate Misumutu Kamune Namabanga, on le kate. Et puis au Kagimuno, Ata Nalopango Nayo, Aïe m'a donné, nous devrions quand même y mettre. La constitution, depuis quel âge? Beaucoup de réalités qui sont venues. Est-ce que, attendez, parle-moi une des lois où là où la constitution reconnaît la loi sur le numérique. Attendez. Il n'y en a pas. D'après vous. Donc, il est là, attendez, on a le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, d'après vous, le vrai problème, c'est les textes, je veux dire, c'est la constitution ou bien c'est l'application de ces dernières? C'est les textes ou bien c'est les individus, voulais-je dire? Non, ce n'est pas... En fait, la Constitution est appelée à une évolution. Vous avez, attendez. Vous avez déploré ce qui se passe à l'Est. Est-ce que la Constitution nous empêche d'attaquer Rwanda, par exemple? Non, pas jusqu'à ce point-là seulement. Non, mais quelque part, la Constitution nous réduit le pouvoir pour dire que non, attention. Si ce n'est que pour ramener la paix, vous êtes capable de céder une partie du territoire. La Constitution l'a dit. Non, mais lorsque on doit mettre un chef de l'État... On doit prendre 3 mois pour mettre un gouvernement. Ce n'est pas une perte de temps. Au Sénégal, ils ont fait après 2 semaines. Vous êtes témoin. Quand vous attendez. Oui, vous avez dit quelque chose, oui. Au Sénégal, ils ont fait 17 jours. Oui. Ils ont eu un gouvernement. Voilà. Alors pourquoi pas chez nous? Et bien, le problème, c'est sur même aller, mais. Non. C'est dans les mécanismes. Je voulais vous rappeler. Le président de la République doit consulter. Je voulais vous rappeler. Le président de la République doit nommer. Allez, mais attendez. Mais c'est un retard. C'est une fois renouvelable. C'est un retard. Mais je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, mais je vous rappelle, dans la même constitution, Kabila a mis en place un gouvernement pendant 10 jours. La même constitution, s'il vous plaît. Avec quelle majorité? Vous avez la majorité absolue, vous, l'Union sacrée. Vous avez plus de 400 députés, d'ailleurs. Mais justement... Et Kabila n'a jamais eu plus de 300 députés, en ce que le sache. C'est un mosaïque, non?
C'est un mosaïque, tu es d'accord avec moi? C'est l'union sacrée. Alors, mais attendez, attendez. Ouais. Plateforme pour quoi? Attendez. Ça, c'est la liberté qui est au sein de l'union sacrée. Attention, hein, avec l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas comme les salis publics pour dire que non, et voilà, amen, amen. Hein. Attention. C'est ça la vraie démocratie au sein de l'union sacrée. Ouais. Nous discutons, nous levons les options et nous avançons. Mais ce qui est évident, si la cause le permet déjà, c'est un grand état. Alors, révisitons quand même la chose. La question n'est pas inchangeable. J'utilise les termes qui sont plus faciles à maman Abissou et à Wenze. Parce qu'on ment la population pour dire n'importe quoi. On le dit ici, excusez-moi, la question n'est pas faite pour l'éternité. Elle est appelée à s'adapter à l'évolution sans cesse changeante de la société. La révision vise donc l'adaptation de la constitution à l'évolution de la société, mais aussi la stabilisation des institutions. Mais ce sont les doctrinaires qui l'ont dit. Ce n'est même pas moi. Vous donnez l'impression de 1793. Ce n'est pas la date d'aujourd'hui. Vous, pas individu, vous, Union Sacrée, vous donnez l'impression de jouer un jeu. Pourquoi? On voulait savoir. Parce que le chef de l'État, il était clair. Devant les Boyomé à Kisangani, il avait dit que s'il faille toucher même l'article verrier, il faisait allusion, bien sûr, 220, pour le mandat, il a dit peuple binondé pour décider. Donc, il fait allusion à l'article 5 de la Constitution, alinéa 2, je crois, où on parle de référendum. Tout à fait. Référendum, c'est carrément une élection. Donc, on va organiser encore une autre élection, cette fois-là, pour voter oui ou non pour le changement de la Constitution. Nous y sommes. Déjà, ici, nous allons faire d'une pierre deux coups. Hein. Comprenez-moi bien, parce qu'il y aura plusieurs questions au même moment. Déjà, s'il faut aller au référendum, avec quel CENI? L'actuel qui est récusé de tous, vous étiez contre l'actuel CENI. Où la CENI, à son temps, avait publié une liste plutôt de personnes qui détenaient des machines. Donc la crédibilité, déjà, pose problème. Jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, l'opposition, j'ai fait allusion au FCC, j'ai fait allusion à Mouka Djipouté, Fayoulou et autres, ne considère pas les élections que la CENI avait organisées, surtout que c'était au-delà des 5 jours. Première des choses. Deuxième des choses, on peut bon aller au référendum. Qu'adviendra-t-il pour les zones occupé aujourd'hui par Nanga et le Rwanda? J'ai fait allusion à l'Est, je vais à titre d'exemple à Bunagana, Rutshuru et autres. Donc, si on se retrouve aujourd'hui au référendum, dont nos compatriotes de l'Est là ne vont pas prendre part, en quoi ils seront concernés pour cette nouvelle constitution? Je chute par ici pour vous dire que l'autre fois j'ai suivi une vidéo, un proche de Nanga qui dit que Nanga s'est dit prêt à s'autoproclamer comme président, à autoproclamer plutôt la partie qu'ils occupent comme une république, comme une nation. Et il poursuit en disant, si Kinshasa, par malheur, arrivait à organiser le référendum, ça sera avantageux pour eux, parce que les gens qui s'y trouvent, les gens qui sont là-bas, ne vont pas se retrouver dans l'actuelle constitution, d'où ça sera la balkanisation. Ne voyez-vous pas que, voilà pourquoi l'entame, j'avais dit, vous jouez à quel jeu? Est-ce que vous voulez donner corps à la balkanisation déployée depuis la nuit des temps? Ou bien vous pensez à autre chose? S'il faut changer la constitution, vous avez dit, ce n'est pas un monument. La constitution est changeable, et ça c'est vrai. Mais pourquoi ne pas attendre jusqu'à ce que le pays sera pacifié, réunifié et brandir cette carte de changement constitutionnel? Je partage ton avis, c'est une réflexion d'un Congolais mûri. Et puis, qui fait plus des investigations et des recherches. Mais je vais vous dire une chose. Les chapelets des intentions d'une personne, vous ne saurez pas gérer les humeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Nanga a organisé des élections ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas commis comme bavure pour acheter Castello? Tu as entendu? Alors, lorsque quelqu'un fait que pour ses intérêts personnels, qu'est-ce que vous croyez qu'il peut faire pour la nation? Est-ce que vous croyez que toute cette population-là qui sont sous leur joug bénéficie des intérêts que Nanga est en train de vivre aujourd'hui? Non. On ne peut pas être dupe. Pourquoi vous voulez jouer avec la population? C'est la même population qui a mené Kabila au pouvoir. C'est la même population-là que vous voulez encore une fois martyriser. Non. La vraie vérité est que, oui, je comprends par rapport aux soucis par rapport à la faisabilité. Ce que vous avez soulevé comme des points, ce sont des points saillants que nous devons prendre en compte. Mais je crois que les dirigeants comme ils sont là, c'est d'y réfléchir. Ce qui manque au Congo,
Nous ne voulons pas faire des bureaux d'études. Quand on dit, moi, je suis conseiller aux études, il y a l'OT. Mais quand on te dit que tu es conseiller en passation des marchés, là, tu fais la vie. Non. Là où il n'y a pas des études, les conséquences sont néfastes. Mais si nous faisons des études en amont, nous réfléchissons, nous disons, non, mettons-nous autour d'une table. Nous allons revisiter la Constitution. S'il faut revoir les articles verrouillés, dans quelles conditions? Est-ce que les conditions sont remplies par rapport à la possibilité? Les chefs de l'État et parmi les gens qui peuvent demander la révision de la Constitution, vous les connaissez. Tout à fait. Les peuples, par référendum, comme vous l'aviez dit, est-ce que c'est un problème? Non. Moi, ce que j'ai dit aux Congolais, nous avons intérêt de changer la Constitution aujourd'hui pour que les choses aillent de mieux en mieux. Pas pour s'immobiliser. Parce que là, nous sommes immobilisés. Nous sommes cuits. Nous sommes cuits, qu'on le veuille ou pas. Mais faire revenir la paix à l'est de la République, c'est vraiment primordial. Ça, c'est tout le monde. Nous nous battons pour ça. La paix n'est pas seulement à l'est. Hein. Chez moi, ici, dans les Mbanzangou, si on tue les gens par le Mobondo. Pourquoi tu parles seulement de l'Est? Parce que là, chez moi, ici, à Mamaloukou. Là, il y a occupation. Mon Dieu. Mamaloukou, au Congo central, c'est Kinshasa qui contrôle. Voilà, voilà. Il y a une grande différence. Il y a l'agression, il y a l'occupation. Et nous devons lutter sur les deux fronts. Mais qui sème cela? La communauté internationale. La même communauté internationale qui nous fait agenouiller. Qui nous parle des histoires même pour les droits de l'homme. Mais attendez, mais n'importe quoi. Hier, il y a eu. On n'a pas pu aborder la question. Hier, il y a eu tuerie en France. Est-ce qu'on a parlé des droits de l'homme? Je voulais dire ceci. Allez, donc à un moment donné, si nous devons être matures. Si on organise un référendum et qu'on change la constitution, qu'adviendra-t-il pour les zones occupées par le M23, Nanga et compagnie? Rwanda, s'il vous plaît. Qu'adviendra-t-il? Je ne suis pas je ne suis pas au fait dans les secrets de Dieu. Non, vous êtes intellectuel, vous réfléchissez. Justement. Parce que la CENI nous avait promis, lors des élections, que nos copains de Bounagana allaient prendre part aux élections. Oui. Sans succès. On suppose, d'ailleurs, c'est la logique. Si on arrivait à organiser le référendum aujourd'hui, ils ne prendront pas non plus part. Et ça sera quoi la suite? Non, mais attendez, il y a un processus qui est là de l'Angola que nous tenons tous, si bien que nous sommes toujours zigouillés. Il y a un processus qui est là. Mmh. Et les chefs d'État tient mordu. C'est depuis la nuit des temps que le processus là. Oui, évidemment. Jusque-là, c'est là que le point que nous nous accrochons à ça. C'est là que c'est le point. Alors, ou soit, prenons l'option de la guerre. Point bas. Et ça, moi, je suis d'accord. Mais au regard de tout ça, qu'est-ce qui vous pousse à changer la Constitution? Non, c'est ça le plus grand problème. Non, par rapport à la Constitution, c'est la marche des institutions. La Constitution ne peut pas bloquer la marche des institutions, Guélo. Du fait qu'il y a des contraintes. Mais je vous ai dit ici. Quelle contrainte causer du tort à vie? Non. On a parlé de zones occupées, non? Les intentions de balkanisation, ne croyez pas à ça, mon frère. Ah bon? Nous devrons combattre cela et nous n'allons jamais donner cette chance-là. Ce pays n'est pas le pays de qui que ce soit, c'est le pays de Simon Kimbangu. Il faut oublier ça. Et ça, je vous garantis. Si Nanga veut rester en vie encore pendant 2 jours, qu'il arrête cette affaire. Qu'il arrête. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à colporter contre le Congo et ils ont vécu Simon Kimbangu dans leur salle. Hein. Nanga veut vivre cela. Est-ce qu'ici le problème, c'est sur le plan spirituel ou bien il faut s'imposer en tant qu'humain? Sur tous les plans. Parce que Dieu nous regarde, il a mis tout à la disposition des Congolais que nous sommes. Mais on n'arrive pas à faire l'essentiel et on accuse Dieu. Je confesse une foi chrétienne, attention. Abusivement, voulais-je dire. Je confesse une foi chrétienne. Et moi, je crois à mon Dieu que quel que soit le temps, il va faire sortir les Congos de ce torpillon. Mais nous-mêmes, nous devons nous battre. Dans certaines situations, Dieu n'a rien à voir. C'est à nous de fournir des efforts. Je voulais acheter là. Nous-mêmes, nous devons faire un effort pour exprimer à Dieu, voilà nos besoins. Et dans nos besoins, nous devons mettre la volonté. Boti Kanelo traîtrise, Boti Kayango, que aujourd'hui pouvoir te, ok, dans Rwanda, bah, pèse moi, Simonko, allez, tu fais la vie. Non, c'est ce que moi je connais. Déjà. Moi je suis d'accord. Moi, mon problème, c'est que les Congolais ne veulent nous mettre ensemble. À un moment donné, je félicite Martin Fayoulou, je félicite Mouzito. Ils comprennent qu'en dehors du Congo, ils n'ont plus d'autres terres. Mais ceux qui ont d'autres terres, leurs voilà, ils sont allés chez leurs parents, leurs oncles rwandais. Mais pourquoi les Moussites ne fuient pas? Pourquoi les Fayoulou ne fuient pas? Ceux qui fuient seulement, vous verrez que parmi eux, vous verrez que Alaki directeur de la communication à Kenya Rwanda.
à Kena AFC. Alaki attaché de presse à Kena. Mais attendez, ça se dessine, non? Ça se dessine. On n'est pas des petits-enfants. À un moment donné, nous devons nous dire la vérité. Que les comportements que nous présentons n'aideront pas la République d'aller de l'avant. Ça ne nous aide pas. Et nous sommes bloqués. C'est là où nous disons, comme nous sommes bloqués, il est grand temps de revoir les choses au clair. Les Rwandais, c'est quand ils ont mis la constitution, vous n'étiez pas là. Nous n'étions pas là. La constitution est caricaturée. Qui ne le sait pas? Laissez les Congolais travailler. Tout ce que nous faisons comme droit. Des doctrinaires, des bouchables, des donc que je ne peux pas peut-être citer aussi. Mais ils sont là comme doctrinaires, qu'ils écrivent, qu'ils parlent. Et faites parler la population par un référendum. Le problème, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous veut, qui nous fait du mal. Mais vous dédonnez l'Ouganda. Alors que l'Ouganda en fait partie. Parce que, à titre d'exemple, Bunagana, c'est entre Ouganda et la RDC, non pas le Rwanda. Mais il y a peu, le chef d'État venait d'échanger avec Museveni pour exploiter le lac Albert, pour qu'il y ait une coopération, n'est-ce pas, entre la RDC et l'Ouganda. Et le chef de l'État dit clairement qu'il fait foi à la sagesse, l'intelligence de Museveni, alors que Museveni soutient aussi le M23. Museveni est avec le M23. Vous avez suivi son fils aîné, qui du reste a été élevé en grade après avoir gagné son pari d'encourager le M23. Ensuite, cher ami, moi je crois qu'il y a des questions, quand vous les soulevez, il y a qui demandent une bonne réflexion. C'est très important. Entre les dires et la diplomatie, il y a deux choses qui se passent. Premier élément. Deuxième élément. Les PPDF, je crois, c'est les PPDF. Une histoire commune. PDF. Hein? Les PDF, voilà. Je voulais les rajouter quand même un autre mot là-dedans. Ils sont ici, ils travaillent avec nous. Le vrai problème, c'est que j'ai posé trois questions au départ de notre émission. Qu'est-ce que les gouvernants n'arrivent pas à dire à la population? C'est une question. C'était un bon départ. Parlons franc, parlons vrai. Mais au final, vous avez changé d'avis. Non, je n'ai pas changé d'avis. J'ai toujours été démocratique et puis libre dans mes pensées. Parce que je suis libre de penser. Là où nous devons faire un effort, c'est dire la vérité. Si nous disons la vérité à la population va nous comprendre et va nous accompagner. Et moi, j'ai la simple conviction, les Congolais ne sont pas compliqués. Les Congolais, il faut lui dire la vérité. Je fais ceci, l'imbissama. Pourquoi on n'arrive pas là? Si on le fait aujourd'hui, demain même les Fayoulou, là, il n'y aura plus les gens dans la rue. Et ça fait grandir un État. Nous voyons les présidents français, les présidents américains, il y a un bavure qui est passé, il posait présent, il dit, c'est vrai, nous acceptons la situation et nous mettons comme ça. C'est ça. C'est ce qui gâte la politique africaine. C'est ce qui bloque. Ils ne sont pas sincères. Vous arrivez à Genève, la Belgique vous condamne. Et à ce niveau qui n'est pas sincère, est-ce que les décideurs, l'opposition? Moi, tous les politiques congolais, j'insiste, je ne dis pas ni la majorité, ni la minorité. Parce qu'ici, il y a un problème. Il n'y a pas l'opposition, il y a la minorité. Donc, moi, les politiques congolais ne sont pas idéalistes. Moi, je suis idéaliste et je resterai comme ça. Je vais prendre mes vidéos depuis des années et des années. Je ne changerai pas de langage. Je soutiens Antoine Félix Tshisekedi par rapport à ses actions. Je soutiens Madame la Première Ministre par rapport à ses actions. Ah, elle a des actions, elle aussi. Oh, mes enfants. Non, je posais la question. Tu ignores cela? Non, j'ai posé la question. Mais il ne faut pas ignorer. Non. Il ne faut pas ignorer, s'il vous plaît. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a la stabilité monétaire aujourd'hui. Attention, hein. Tu ne vois pas ça? Ah bon? Ah, les dollars, nous sommes où? C'est stable, hein? Même ma tata l'a reconnu, même si c'est un voleur. Il l'a reconnu. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Guéla. Merci pour la disponibilité. Tu voulais que j'ai dit ça déjà? Et puis, tu dis, tu nous as cheaté? Comment? Tu es méchant, hein? Je ne le suis pas, en tout cas, vous le savez. Merci beaucoup. Merci à vous pour la disponibilité. Je rappelle qu'on a reçu pour vous M. Wilson Munzemba, qui du reste est de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a parlé de beaucoup de choses en rapport avec l'insécurité au pays, en rapport avec le changement ou la modification de la Constitution. Vous avez su son point de vue. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Et demain, on va vous retrouver sous ces plateaux pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nespresso Télévision, abonnez-vous à l'RTVS1. Merci à Brandon pour la réalisation. Merci à Pamphil Makanda qui était du côté de la régie finale. Merci encore à mon invité pour la disponibilité. Et au revoir. Merci Guélo. Merci beaucoup. Plaisir. À tous les téléspectateurs.